Allez, Morgan Ham. Ultra présent hein, tout au long de ces 6 rotations dans cette formation américaine. Attention, Morgan Ham. Prise d'élan. Tour d'appui à l'équilibre. Tour et demi sur un bras. Stalder, jambe serrée, passage incubital. De nouveau, passage sur un bras. Ce serait bien qu'il nous fasse un lâcher, le voilà. Catch-off tendu. Tour complet et demi. Allez. Sortie. Et c'est pilé aussi pour Morgan Ham. Mais Laurent, j'ai l'impression que si sur le dernier passage, celui de Paul Ham, on ne se lâche pas plus que ça, c'est vrai, notamment c'est retenu, au niveau des lâchés, la sanction sera sévère parce que derrière les Japonais, eux, ils vont donner absolument tout ce qu'ils ont. Alors certes, c'est extrêmement propre, d'accord, mais ça manque de lâcher. Quand on pense au passage d'Alexei Nemov lors de la première rotation, où il enchaîne combien de lâchés? 4 5. 4-5 lâchés de suite. Dans le mouvement, oui. Donc 4 enchaînés, vous avez raison, Charles. Et on revoit cette sortie. Allez, comme pour Brett McClure, elle est pilée pour Morgan Ham. La note de référence, la première, c'était 9.412. Et les Roumains qui attendent. Leur total, 172.384. Avant que la note de Morgan Ham ne tombe, les Américains sont pour l'instant à 153.709. Les Coréens qui attendent eux aussi. Hein. Ils ont un total intéressant à 171.847. Mais pour la médaille, ça sera trop court. 9.762, Laurent, pour Morgan Ham. 9.762.